à celui qui te considère comme un acquis. C'est toujours le même départ. Avant de se connaître, il y avait ce moment que tu te rappelles aujourd'hui, quand les deux venaient à s'épanouir d'une bonne compagnie, quand ils s'admiraient à travers la nouveauté et la découverte, quand chacun des deux avait la patience pour l'autre, lorsque chaque réponse avait de la valeur et que chaque attente était un bonheur en attendant l'autre. Le temps ne comptait pas quand chacun n'estimait pas encore posséder l'autre. Tout ça jusqu'à ce que ce jour arrive. Et ce jour-là n'arrive pas du jour au lendemain. C'est une addition de signes qui devient une réalité. Ce moment où il te considérera comme un acquis. Et c'est là que tout a changé. Le temps commençait à s'éloigner. Les discussions n'avaient plus la même saveur. L'importance que tu portais à ses yeux commençait à disparaître. Tu as l'air d'être le seul à remarquer que quelque chose change. Au début, tu penses que c'est un passage à vide, que ça ne va pas durer, que rien ne va changer. Mais quand tu commences à perdre l'inspiration à être toi-même, quand même les choses les plus simples deviennent compliquées, tu chercheras à devenir quelqu'un d'autre. Une personne qui pourrait lui plaire, car tu commences à te demander si tu lui plais. Tu vas tout faire pour que la personne te regarde comme avant, mais en jouant à quelqu'un d'autre. Et c'est là que tu devras prendre conscience que tu l'as perdu, ou que tu t'es perdu. C'est quand il était en train de chercher à se nourrir d'une nouvelle compagnie que tu devras comprendre où est ta place désormais. C'est ce qui forcera ton éloignement avant d'en arriver à un départ. Quand tu auras compris enfin que tu es devenu qu'un simple acquis, qu'il a pris en toi tout ce qu'il estimait pouvoir prendre et que maintenant il n'y a plus rien pour lui. Mais c'est quand tu commenceras à penser à toi que tu t'en iras à ton tour. Le temps passera jusqu'à ce que l'acquis que tu étais se transforme en véritable valeur perdue. Et c'est là qu'il reviendra. Et plus rien ne sera comme avant. Car entre-temps, il y a eu une réalité. Il y a des yeux qui se sont ouverts. Il y a eu une cassure. La vision de sa vision par rapport à toi. Et c'est là que beaucoup se demandent comment est-ce qu'il faut agir. Faut-il devenir inaccessible pour toujours donner l'envie de chercher en nous? Faut-il devenir quelqu'un de mauvais pour qu'on attende un bon retour de notre part? Non. Il faut simplement donner à celui qui sait prendre. Savoir s'entourer de ceux qui savent reconnaître la valeur des choses. Il est très très important de montrer le bien qu'on ressent quand on estime être en face de quelqu'un de bien. Ce qu'on ressent vis-à-vis de l'autre, très souvent on oublie de lui dire. Très souvent l'image qu'on a de nous-mêmes par rapport à l'autre est très très erronée. Il est important de se diriger vers celui qui sait regarder ce qu'il récolte, celui qui sait la remercier. Il faut toujours entretenir ce qu'on entreprend. C'est comme la chaleur. Si on laisse toutes nos fenêtres ouvertes, elle s'en ira. Elle s'en ira automatiquement. Ne changez jamais quand c'est pour l'optique de retrouver celui qui vous délaisse. Même si parfois on aimerait retrouver les débuts. Même si on aimerait revenir à ce moment où on sentait avoir de la valeur. Il faut se baser sur le présent. Et se concentrer sur le futur début qui nous attend. Tourner la page même si son histoire avait l'air de nous plaire un peu. L'histoire ne fait que commencer. Elle continue. C'est un nouveau chapitre. Avec le même personnage, celui qui aura décidé de prendre une nouvelle route. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.